Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du monde de football au Qatar 2022 et je vais vous parler du match de ce vendredi 2 décembre à 20h, le dernier match du groupe G entre la Serbie et la Suisse. Donc c'est le final de ce groupe G, il y aura deux matchs en même temps, Serbie-Suisse et également Cameroun-Brésil. Donc les amis, je vais vous parler de ce match, on va voir tous les scénarios possibles, je vais vous donner plein 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 de statistiques, mais déjà on va commencer par le classement du groupe G que vous avez en bas à gauche. Pour l'instant, le Brésil est premier avec 6 points et déjà qualifié pour le tour suivant. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils peuvent éventuellement finir euh, deuxième. Ça se peut jouer entre la Suisse et eux pour la première place. Mais pour la qualification, le Brésil est sûr d'être qualifié. Voilà. Deuxième, la Suisse avec 3 trois points. Troisième, le Cameroun avec 1 point. Et quatrième, la Serbie avec 1 point. En sachant qu'il y a Brésil-Cameroun pour le dernier match. Et là, on a Suisse-Serbie. Donc ça veut dire qu'on a plein de possibilités. Entre la Suisse, le Cameroun et la Serbie, eh ben les trois équipes peuvent encore se qualifier, quoique le Cameroun, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire qu'eux, il va falloir qu'ils gagnent contre le Brésil. Et plutôt bien, euh, je dirais qu'il y a plus de possibilités pour la Serbie et la Suisse. Alors, on va envisager tous les scénarios. On va commencer par la Suisse. La Suisse a 3 points. Donc, la Suisse, ils ont un gol average de 0. Euh, s'ils font match nul, s'ils si perdent contre les Serbes Déjà, les Serbes leur passent devant et deviennent 4 points Donc la Suisse ne peut pas perdre s'ils si veulent se qualifier S'ils font match nul, ils arrivent à 4 points Et dans l'autre match, si le Cameroun bat le Brésil Il faudrait que le Cameroun Alors la Suisse aurait 4 points mais avec un goal à virage de 0 Et si le Cameroun veut être devant Il faudrait qu'il batte le Brésil par plus de 2 buts d'écart Ça va être compliqué Donc en cas de match nul, il y a de grandes chances qu'ils soient qualifiés. Et en cas de victoire La Suisse serait sûre d'être qualifiée Maintenant, on va parler de la Serbie. Alors, la Serbie, elle n'a qu'un point. Donc, elle n'a pas le choix, les amis. Match nul ou défaite, elle est éliminée. Donc, si la Serbie veut se qualifier, il faut qu'elle batte la Suisse. C'est comme ça, elle n'a pas le choix. Alors, bon, ok, elle bat la Suisse. Et qu'est-ce qui se passe Alors, la Serbie a moins 2 de goal virage, et la Suisse a 0. Donc, si la Serbie gagne 1-0... Ils vont se retrouver avec moins 1 de Golaverage et la Suisse moins 1. La différence près, c'est que la Serbie a marqué 3 buts et en a encaissé 5, donc ça ferait 4-5. 4 buts marqués, 5 encaissés. Et que la Suisse en a marqué qu'un et en a encaissé 1, ça ferait 1 marqué, 1 encaissé. Donc la Serbie euh, serait euh, avec un, un plus grand nombre de buts marqués, euh, donc serait devant la Suisse euh, dans ce cas-là. Donc si la Serbie gagne ne serait-ce que 1-0, elle se qualifie. À la place de la Suisse. Euh, en plus, je vous dis n'importe quoi parce que la Suisse a trois points. Euh, C'est vrai que l'écran est tellement petit que euh, j'espère que vous voyez bien d'ailleurs les chiffres. Non, je vous dis n'importe quoi. Si la Serbie bat la Suisse, ils sont devant parce qu'ils auraient quatre points et la Suisse en a que 3, J'étais parti sur 3, C'est n'importe quoi. Donc non. Si la Serbie bat la Suisse, elle est qualifiée quoi qu'il arrive. Et euh, sauf si... Alors, encore une fois, non, elle n'est pas qualifiée quoi qu'il arrive. C'est sauf si le Cameroun bat le Brésil. Parce que si le Cameroun bat le Brésil, c'est pareil. Euh, il va falloir que la Serbie batte la Suisse de plus de buts que le Cameroun a battu le Brésil. Parce que le, la, Suisse, la Serbie a moins 2 de goal à et le Cameroun moins 1. Donc voilà, donc pour récapituler, si la Serbie bat la Suisse, après il faut regarder ce que le Cameroun fait au Brésil pour voir s'ils peuvent se qualifier. Et la seule façon qu'ils ont de façon de se qualifier la Serbie, c'est de gagner. Et la Suisse... Peut se qualifier en cas de match nul, à vérifier que le Cameroun ne gagne pas contre le Brésil, et aussi peut se qualifier s'il gagne tout simplement contre la Serbie. Donc déjà ça fait pas mal de paramètres. On va aller voir les stats des deux, euh, des, des deux matchs. Alors, euh, la Serbie contre le Brésil, Alors, Serbie, 41% de possession de balle, 59% contre le Cameroun, 50 et 40, à peu près les mêmes stats en fait. Contre les adversaires, ils ont à peu près les mêmes stats de tout. Euh, ça c'est mar marrant. Si ce n'est que la, la Serbie a tiré beaucoup plus que la Suisse contre le Cameroun, 15 à 5. Euh, voilà, donc ça après, euh, euh, c'est quand même intéressant de voir ça. Les duels, c'est à peu près la même chose. Les corners. Ah, la Suisse a eu beaucoup plus de corners par contre contre le Cameroun. Interception, on a à peu près la même chose. Centre, on a à peu près la même chose. Faute, on a à peu près la même chose. C'est assez étonnant. Je dirais qu'en temps normal, je mettrais un match nul sur ce match-là. Et je pense que on peut tendre vers un match nul, sauf que... Il y a un facteur important, c'est que si un match nul à la dernière minute, les Serbes ils vont tout faire pour essayer de marquer parce qu'ils seront éliminés. Donc s'ils ont un corner, bah, le goal il va monter. Et bon dans ces cas-là, bah, il y a un but pour l'équipe qui attaque une fois sur dix et neuf fois sur dix il y a une contre-attaque. Et... 3 fois sur 9, il y a un but en contre-attaque, ce qui fait qu'il y aura une victoire de la Suisse. Dans ce cas-là. Donc c'est vrai que c'est difficile. En temps normal, j'aurais aimé match nul. Mais vu le scénario qui impose à la Serbie de battre la Suisse, si la Serbie ne marque pas dans le temps réglementaire, ça va être compliqué pour eux. Euh, en plus, ça va être super sympa parce que les, les Suisses, s'ils font match nul, ils sont quasiment qualifiés. Donc si les Serbes mènent, les Suisses ils vont tout donner. Donc il va y avoir un super spectacle, les amis. On va voir les matchs des deux dernières années. Si euh, les deux équipes se sont affrontées, euh, alors Serbie, Suisse, 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 est-ce qu'il y a la Suisse? Euh, la Suisse, la Serbie. Jamaïque. Non, non. Malheureusement, elles ne se sont pas affrontées. Est-ce qu'elles ont affronté des adversaires en commun? Euh, je vois qu'ils ont affronté. Euh, la Serbie a affronté la Norvège et la Suède. Et la Slovénie. Et là. La Suisse. Euh, C'est pas de bol. Ils n'ont pas affronté. Euh euh, la France, la Turquie, l'Italie. Euh, ok, bon, 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 bon. Je vois le Danemark. Hein, je ne vois, tout... bah, vois pas les mêmes équipes. Ah, Portugal, le 14 novembre. La Serbie a gagné 2-1 au Portugal, le 14 novembre 2001. Et la Suisse, le 12 juin 2022. Euh, donc en 6 mois après. Parce que 14 novembre 2021 et 12 juin 2022, on a 6 mois d'écart. La Suisse a gagné 1-0 contre le Portugal. Pff, on est exactement, les amis, dans les mêmes quotas euh, de deux équipes qui ont à peu près le même niveau. Euh, ce qui peut changer dans le résultat, c'est juste euh, eh ben, le fait qu'il y ait une qualification pour les huitièmes de finale et qui peut vraiment grandement influencer le résultat. Euh, ça serait difficile de partir sur un match nul, euh, ce qui serait peut-être une logique des choses. Moi, je, euh, je parierais plus sur une victoire de la, de la Suisse. En raison de cette incertitude, alors j'essaye de passer, euh, passer avec les probabilités, mais je vois plus la Suisse gagner euh, avec cette histoire de dernière minute où euh, bah, si euh, il y a match nul, bah, la Serbie va être obligée de sortir son gardien, attaquer à tout va et risque de se prendre un but en contre-attaque. Donc, sauf si les Serbes dans le jeu, mais comme on a pu voir, ils ont même mené 3-1 contre le Cameroun et le Cameroun est revenu à 3-3. Donc c'est pour ça que je suis un peu inquiet pour les Serbes, voilà. Et les Suisses c'est souvent des rois des matchs nuls ou des choses comme ça. Euh, ils arrivent souvent à se qualifier pour les second tours. Donc pour moi ça serait les favoris. N'hésitez pas les amis à mettre en commentaire de cette vidéo le score que vous pensez, le vainqueur et ce que vous pensez aussi de ce match, ça peut être sympa d'en discuter. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous à 20h ce vendredi 2 décembre euh, pour euh, le final du groupe G et euh, deux superbes matchs en perspective. Je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.